appris? Se laisser aller. Bien. Crier le plus fort possible. Oui. Et le plus important, la passion. Exact. Maintenant que tu sais comment faire de bons encouragements, je veux t'entendre crier. Ouais. Oh, c'est comme ça que tu comptes m'encourager? Plus fort. Ouais. Plus fort. Ouais. Plus fort. Ouais. Oh. C'était trop fort. Pleine de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de tendresse, mais pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es My Little Pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Ouais. M'avoir aidé à ranger ces livres, mes amis. J'ai passé le week-end à travailler. Rainbow Dash, tu es génial. Wouhou! Ce sont mes encouragements qui ont fait ça. Désolée pour l'atterrissage. Cette démonstration était vraiment peu convaincante. À vrai dire, j'ai trouvé ça bien. J'ai particulièrement aimé quand tu as fait tourner les nuages. Oh, je ne parlais pas de ma démonstration, mais de la tienne, Fluttershy. Tes encouragements étaient nuls. Pourquoi est-ce que vous vous disputez? On se disputait? Oh, je suis désolée. Ça vous dit de venir à Cloudsdale pour me voir concourir pour le prix de la meilleure acrobate aérienne? Qu'est-ce que c'est? C'est le rassemblement de tous les Pégases et chacun présente un numéro. Ils sont super rapides. Je veux assister à la compétition pour te voir faire ton numéro. Ça me ferait vraiment plaisir que vous soyez là. C'est Fluttershy qui doit m'encourager, mais je trouve ses cris plutôt décourageants. J'adorerais te voir effectuer ton numéro. Ton célèbre arc-en-ciel supersonique est le truc le plus extraordinaire que j'ai jamais vu. Même si, en fait, je ne l'ai jamais vu. Mais j'imagine qu'il est extraordinaire. C'est quoi un arc-en-ciel supersonique? Il faudrait que tu sortes un peu plus. L'arc-en-ciel supersonique est légendaire. C'est lorsqu'un Pégase comme Rainbow Dash vole très très vite. Un boom supersonique et un arc-en-ciel se produisent en même temps. Et Rainbow Dash ici présente est le seul poney capable de le réaliser. Je ne l'ai pas fait depuis longtemps. J'étais un jeune poney la dernière fois. Mais tu vas réussir à le refaire, n'est-ce pas? Est-ce que tu plaisantes? Je suis une super acrobate aérienne, je le sais. Je peux faire l'arc-en-ciel supersonique les yeux fermés. Waouh! Alors si tu y arrives, tu es sûre de remporter la compétition? Le premier prix est une journée entière avec les Wonderbolts. Une journée tout entière à voler avec mes héros de toujours. Mon plus grand rêve deviendrait réalité. Ouais. Je vais aller me reposer. Je ne voudrais pas non plus être surentraînée. Quant à toi, en revanche, tu ferais bien de continuer à t'entraîner. J'ai besoin d'encouragement à la hauteur de mon spectacle exceptionnel. Elle s'est entraînée au moins une centaine de fois et elle n'a jamais réussi l'arc-en-ciel supersonique. J'espère que mes encouragements l'aideront à y arriver. Bien, on n'a plus qu'à recommencer le rangement. Encore. Allez, vas-y. Vas-y quoi? Trouve un sort capable de transporter les poneys sans ailes à Cloudsdale. Tu n'as pas vu à quel point Rainbow Dash était nerveuse? Nerveuse? T'as perdu la tête ou quoi?
Elle était sûre d'elle, enthousiaste et motivée comme jamais. Oh, je t'en prie. J'ai organisé assez de défilés de mode pour m'apercevoir quand quelqu'un est nerveux. On doit lui montrer qu'on est de tout cœur avec elle. Allez, Twilight. Comment je vais faire pour trouver un sort avec ce désordre? Attends une minute, j'ai une idée. Regarde, page 37. Comment t'as fait? Il a atterri sur ma tête quand Rainbow Dash a fait son entrée. Ça y est, voilà un sort permettant aux poneys terrestres de voler pendant 3 jours. Oh, il a l'air très difficile. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Tu dois essayer. D'accord, mais il me faut un volontaire pour le tester. J'accepte. Pour Rainbow Dash, je ferai n'importe quoi. C'est parti. Tiens, regardez-moi qui voilà. C'est notre vieille amie Rainbow Crash. Laisse-moi deviner, tu t'es fait renvoyer de l'école de vol? Je n'ai jamais été renvoyée. Regarde les choses en face, Rainbow Crash. Dans les écoles de vol, il y a trop de règles et pas assez de récréation pour toi. Demande-lui où elle en est avec son arc-en-ciel supersonique. C'est rien d'autre qu'un vieux conte de jument. T'as pas les capacités nécessaires pour le réaliser. Hé, attendez un peu. Oh, désolée, j'essayais de m'affirmer un peu plus. Je sais qu'elle est tout à fait capable de faire un arc-en-ciel supersonique. Ça m'étonnerait, elle a jamais été capable de rien. On en reparlera lors du concours d'acrobatie aérienne. Si vous êtes libre. Si on est libre. Oh, on sera là, on voudrait pas rater ça. Allez, salut, Rainbow Crash. Tu as vu ça? J'ai plus confiance en moi, hein. Oh, je crois qu'ils ont raison. Je ne suis pas capable de le réussir. Écoute, Rainbow Dash, ce n'est pas parce que tu as raté ton arc-en-ciel supersonique 100 fois à l'entraînement que tu n'es pas capable de le réussir pour la première fois devant un stade rempli d'une foule de poneys impatients et à la critique facile. Ah, c'est affreux! Tout le monde va me voir perdre! Les Wonderbolts ne me laisseront jamais voler avec eux! Et la princesse Celestia va me chasser de la forêt désenchantée! Ma vie est détruite! Ah. Rare? Rare? Bien sûr que l'arc-en-ciel supersonique est rare. Rarity. Rarity, est-ce que tu voles? Eh oui, je vole, regardez-moi. Mes ailes ne sont-elles pas incroyables? Twilight les a conçues exprès pour moi, je les adore. Pourquoi vous faites cette tête? On ne pouvait pas laisser notre acrobate aérienne préférée concourir sans venir l'encourager. Oh. Je n'en crois pas mes yeux. C'est incroyable. C'est formidable. Vous êtes toutes venues me voir. Évidemment. Non. Comment vous faites? Seuls les poneys Pégase peuvent marcher sur les nuages. Oh, c'est génial. J'avais trouvé un sort nous permettant de voler provisoirement. Mais comme il était difficile de le jeter plus d'une fois, j'ai opté pour un autre sort grâce auquel on peut marcher sur les nuages. Et on est venu t'encourager pour le concours. Pour être honnête, je commençais à être un peu nerveuse et angoissée depuis quelques minutes, mais je me sens beaucoup mieux maintenant que vous êtes là. Et vu qu'on a un peu de temps avant le début du concours, Fluttershy et moi, nous allons vous faire visiter Clotsdale. Génial. Et voici la plus grande ville aérienne d'Equestria. Les plus célèbres venaient presque tous de Clotsdale. Oh, attendez-moi! Super, tes ailes, ma jolie! Merci, c'est gentil. Fais attention à tes ailes, Rarity. Elles sont faites avec un voile léger et de la rosée du matin. Elles sont extrêmement fragiles. Ne t'inquiète pas, Twilight. Avec toute l'attention que je leur porte, elles ne peuvent pas s'abîmer. Puisqu'on est ici, j'aimerais en profiter pour voir où le temps est fabriqué. Oh, bonne idée!
Venez les filles, je vous emmène à l'usine météo. C'est ici que les flocons de neige sont fabriqués. Et chacun est fait à la main. Comme vous pouvez le voir, c'est une opération très délicate. Oh, les flocons sont encore plus jolis vus d'en haut. On ferait mieux de partir avant que Rarity nous prive de neige pour l'hiver prochain. Et c'est ici qu'ils fabriquent les arcs-en-ciel. Ça pique! Tu sais, les arcs-en-ciel ne sont pas connus pour leur goût. Waouh! Où est-ce que tu as eu ces ailes incroyables? J'en veux aussi. Oui, je crois que je m'en serais doutée. Hey, regardez, revoilà Rainbow Crash. Ouais, Rainbow... Crash. Rarity, mais pourquoi est-ce que tu leur parles? Ils étaient simplement en train d'admirer mes ailes, tu sais. Ouais, tu devrais t'offrir des ailes comme celle-là et oublier ton arc-en-ciel supersonique Rainbow Dash. Oh, venez les filles, allons voir comment on fabrique les nuages. Ne les écoute pas, c'est toi qui vas gagner la compétition, j'en suis sûre. Tu plaisantes? Je n'arrive pas à faire l'arc-en-ciel supersonique et puis tu as vu ces ailes ordinaires? Elles n'ont rien d'exceptionnel. Je n'ai aucune chance. Oui, je sais, oui. Vous parlez de ces choses dans mon dos? Ne vous privez pas de faire des photos, ça ne me dérange absolument pas. Rarity, nous sommes là pour aider Rainbow Dash à se détendre, tu as oublié? Arrête de faire la maline avec tes ailes, d'accord? Oh, c'est difficile quand on a atteint la perfection. Rainbow Dash, tu vas bien? Tu fais une drôle de tête. Non, ça va, il n'y a pas de problème. Tout le monde est tellement impressionné par les ailes de Rarity qu'on ne remarquera jamais que j'ai raté la compétition, c'est parfait. Hé, hey, ça c'est une idée. Tu devrais participer à la compétition. Oui, et moi je pourrais te regarder voler à longueur de journée. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde sachant utiliser ses ailes comme moi. Je devrais peut-être participer. Quoi? Mais qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai plus aucune chance de gagner maintenant. Je suis sûre que c'est elle qui va gagner. Je ne suis pas encore prête. Juments et chevaux, veuillez vous lever pour accueillir comme il se doit notre bien-aimée princesse Célestia. Et voici les célébrités qui seront les juges de notre grande compétition, les Wonder Boys. À présent, nous allons découvrir quel candidat va remporter cette année le titre de meilleur espoir de la voltige. Candidat numéro 1, c'est à vous. Numéro 2, ça va être à vous. Allez, montrez-vous, on n'a pas le temps de jouer. Je crois que c'est à toi. Non, oh, ouais, je suis numéro 2. Numéro 4, c'est votre tour. Je suis la candidate numéro 4, mais j'ai besoin d'encore un peu de temps. Alors soyez gentil et envoyez le poney suivant, je vous prie. Ça m'est égal, moi. Tout ce qui compte, c'est qu'un poney entre en scène tout de suite. Alors, j'y vais. Qu'est-ce que je vais faire?
J'ai adoré le numéro 7. Ça ne doit pas être facile de faire 15 boucles sans s'arrêter. Moi, ma préférée, c'était le poney numéro 10. Elle avait l'air si gentille. Je me demande pourquoi on n'a pas encore vu Rainbow Dash ou Rarity. La compétition est presque terminée. Numéro 15, il faut y aller. Rarity est prête! Écoutez, mademoiselle, je suis désolée, mais il n'y a plus assez de temps pour deux numéros. Si vous voulez participer, il va falloir que vous y alliez en même temps. Alors, Rainbow Dash, nous y allons? Voici notre dernier candidat de la journée. Le candidat numéro 15. Et le numéro 4 également. Bonne chance, Rainbow Dash, que la meilleure gagne. Désolée, mais j'ai pris la liberté de changer la musique. Le rock'n'roll ne va pas très bien avec mes ailes. Allez, Rainbow Dash, tu peux le faire. Concentre-toi sur ton numéro. Première phase. Bravo, Rainbow Crash! Je passe à la phase 2. Regardez, la phase 2 fonctionne bien! Pour mon grand final, je vais m'approcher le plus possible du soleil pour éclairer Cloudsdale de la lumière de mes sublimes ailes. Oh, on en parlera pendant des années. C'est ma dernière chance de renverser la situation. Phase 3, l'arc-en-ciel supersonique. Mes ailes, me laissez pas tomber. Oh! Car je suis Rarity. Oh non, le soleil a réduit ses ailes en cendres. Demandez pardon à toutes de m'être laissée emporter par mes magnifiques ailes. Je n'étais plus moi-même. Ce n'est rien, Rarity. Pensez-vous quand même. Et je suis particulièrement désolée d'avoir voulu participer à ce concours à la dernière minute alors que toi, tu avais tant travaillé. Est-ce que tu pourras un jour me pardonner? Non, c'est rien. Après tout, tout finit bien, non? J'aurais juste aimé rencontrer les Wonderbolts avant qu'ils ne soient tombés. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai! Alors, c'est toi le poney qui nous a sauvé la vie? Nous tenions vraiment à te remercier pour ce que tu as fait.
C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Princesse. Bonjour, Twilight Sparkle. Et bonjour aussi à tes amis. Princesse Celestia, je suis désolée d'avoir gâché le concours. Rainbow Dash est vraiment la meilleure Pégase de voltige d'Equestria. Mais j'en suis persuadée. Et c'est pour son courage, son acte héroïque, son impressionnant arc-en-ciel supersonique que j'ai le plaisir de remettre à Rainbow Dash la couronne de meilleure voltigeuse d'Equestria de cette année. C'est pas vrai, 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 c'est pas vrai. Dis-moi, Twilight Sparkle, cette expérience t'a-t-elle appris quelque chose sur l'amitié? Oh oui, princesse. Mais je crois que Rarity en a appris encore plus. Oh oui, c'est vrai. J'ai appris qu'il est important de garder les pieds sur terre et d'être là pour ses amis. Parfait, je te félicite, Rarity. C'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Rainbow Crash... Dash désolé, Rainbow Dash, on voulait te féliciter d'avoir gagné le concours de voltige. Ouais, cet arc-en-ciel supersonique était sensationnel. Merci, les gars. Et on est désolé d'avoir été si dur avec toi dans le passé. Oh, c'est rien. Vous en faites pas pour ça. Et tu veux bien qu'on s'entraîne ensemble? Comme ça, tu pourrais nous montrer comment tu fais. Désolé, les garçons. Mais j'ai d'autres projets.